Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Le regard libre de Napoléon avec Dimitri Casali, écrivain historien spécialisé dans la vulgarisation historique, spécialiste de Napoléon et l'auteur, je rappelle, de ce très beau livre « Napoléon dans l'intimité d'un règne » aux éditions Larousse. Oui, bonjour, plus Dimitri. Un grand spectacle à venir aussi autour de Napoléon. Bonjour Dimitri. Bonjour. Donc chaque matin, comment Napoléon verrait, réagirait à l'actualité et cette semaine, et ben, comment il réagirait s'il était à la place d'Emmanuel Macron pour commémorer l'empereur, puisque c'est la semaine voilà, du bicentenaire. Voilà, tout à fait. La presse nous a dévoilé le programme de la célébration du bicentenaire de la mort de l'empereur demain, mercredi 5 mai. Donc le président Macron va déposer une gerbe de fleurs sur son tombeau aux Invalides et faire un discours à l'Institut de France. Alors qu'en 1921 et en 1969, les célébrations étaient vraiment nationales. Son prédécesseur Georges Pompidou, pour les 200 ans de sa naissance, avait fait les choses en grand. Il avait rendu un vibrant hommage au prodigieux destin, tenez-vous bien, de celui qui a atteint aux cimes de la grandeur et en a comblé la France au point que depuis, notre peuple ne s'est jamais résigné à la médiocrité et a toujours répondu à l'appel de l'honneur. Oui, et comment Napoléon aurait réagi s'il avait dû lui-même commémorer parce que figure incontournable et majeure de notre histoire, a dit Gabriel Attal. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'aurait-il fait puisqu'il a dû commémorer, il a eu cette occasion. Bon, déjà Napoléon avait coutume de dire... De Clovis au comité du salut public, j'assume tout. Pour lui, l'histoire de France était un bloc. Hein, il célébrait notre récit national. Il n'expurgeait absolument aucun héros, ne négligeait jamais ceux qui avaient servi héroïquement la France. Et par exemple, il célébra aussi bien les maréchaux de Louis XIV, Turenne, qu'il idolâtrait à l'issue d'une très solennelle cérémonie en 1800, et Vauban en 1808. Il les fit entrer tous deux aux Invalides. Oui. Et aussi bien sûr, ces maréchaux, Lannes, Bessières, Duroc ou Dezé, tombés au champ d'honneur. Alors pour Lannes, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il ordonna. Il fit un char funéraire qui sillonnerait la France pendant 6 semaines, avec chaque soir une halte dans une ville, avec une belle cérémonie militaire pour bien marquer les esprits, avant que l'âne soit inhumé en grande pompe au Panthéon le 6 juillet 1810, anniversaire de la victoire de Wagram. Donc enfin, Napoléon célébra beaucoup Charlemagne. Hein, je n'ai pas succédé à Louis XVI, mais à Charlemagne, rappelait-il, jamais il ne se serait repenti un seul instant pour les guerres de l'empereur carolingien qui massacra, je le rappelle au passage, une majorité de la population saxonne vers l'an 800. Le 7 septembre 1804, à Aix-la-Chapelle, Napoléon s'est recueilli devant le tombeau du grand empereur. Il ordonne une procession solennelle générale dans toute la ville avec les symboles impériaux, couronne, épée, main de justice, globe et éperon d'or. Et il imagine même dans un premier temps faire son sacre à Aix-la-Chapelle, ça aurait été original. Enfin, pour immortaliser leur lien, il fit inscrire le nom du grand empereur sur la pierre du fameux tombeau, du fameux tableau, de David, qui représente Napoléon passant le Mont Saint-Bernard, vous savez, le plus fameux tableau de Napoléon. Donc on peut dire que Napoléon épouse totalement le sentiment national, lui, petit immigré corse qui ne parlait pas un seul mot de français à son arrivée en France, il faut le rappeler, à l'âge de 10 ans. Loin de vouloir déconstruire l'histoire, il veut construire l'histoire de France sur la méritocratie et désire que chaque fils de paysan puisse se dire un jour « Je serai maréchal de France, cardinal ou ministre ». Napoléon est lui-même un formidable exemple d'intégration, l'exemple que l'on peut donner aux jeunes, puisqu'il est arrivé au sommet par la seule force de son travail, de sa volonté, de son talent. Il incarne la réconciliation de tous les Français, quelles que soient leurs origines, ça il faut bien le dire, c'est un symbole d'intégration. Dans une France désunie et fracturée comme la nôtre, cette commémoration apparaît comme une occasion de réconciliation, un grand moment de communion avec le peuple français, comme l'avait déjà si bien senti encore une fois Georges Pompidou en 69. Il suffira d'ailleurs de rester fidèle aux ultimes recommandations adressées par Napoléon aux Français. Unissez-vous tous pour le salut public et pour rester une nation indépendante. Vive l'empereur.